Quoi que t'en penses, les apparences sont plus que trompeuses. Proclamer que nous sommes libres reste une affirmation honteuse. Continue à te voiler la face si ça peut te rassurer. Mais notre existence leur appartient, je peux te l'assurer. Endormi par la soif du pécule, il suffirait que la masse politise pour que tout bascule. Mais cela ne fait pas partie du plan élaboré. Va donc parler du partage des richesses à Bolloré. Le fait que le peuple doit se battre pour trouver du travail démontre une fois de plus la force de leur arsenal. Et pendant que la nature étouffe sous le poids de ses ordures, dans sa quête de la possession, l'homme anéantit son futur. Si l'histoire de l'humanité se résumait en quelques mesures, le capitalisme ne serait qu'une rature. Alors on endure, parce que vivre dans un système que l'on renie reste la pire des tortures. Car on est prisonnier de ce putain de système, enfermé depuis la naissance derrière des murs en verre. Les évasions se soldent souvent par des échecs. Félicitations à ceux qui s'en sortent sans un copec. Alors je m'invade ma terre, dans ma cellule imaginaire. Je suis pas prêt de sortir, ma tenue n'est pas exemplaire. Les fers au pied, la corde au cou, les matos sans pardon nous mettent à genoux. Le tourbillon de la vie comme routine, tourner en rond, la rétine vide, on tasse tête des sardines à bouffer et à la mine, le concept aseptisé c'est la recette. Pour éviter les troubles faits, ils servent de ta tête comme poubelle. Du coup la querelle, ma cervelle ne servira pas à la gloire des criminels financiers et autres industriels. On vise le haut pas pour l'atteindre, plutôt éteindre sa flamme qui nous porte atteinte. Vaut mieux restreindre leur champ d'attaque, leurs médias et leurs coups de matraque, qu'on voie un peu plus clair dans leur système opaque. Un engrenage bien huilé, un engraissage des plus fortunés. Et nous on nage dans leur océan pollué. Et on boit la tasse, nous choqués. On attend que nos tours passent, on s'encrasse. Mais malgré ça on s'extase devant du futile. Esprit critique, il mutile. Et ils te laisseront crever quand tu ne seras plus utile. Car on est prisonnier de ce putain de système, enfermé depuis la naissance derrière des murs en verre. Les évasions se soldent souvent par des échecs. Félicitations à ceux qui s'en sortent sans un copec. Alors je m'invade ma terre, dans ma cellule imaginaire. Je suis pas prêt de sortir, ma tenue n'est pas exemplaire. Les fers au pied, la corde au cou, les matos sans pardon nous mettent à genoux. Métro, boulot, cauchemar, on vit les pages les plus sombres de notre histoire. Pourtant ici nous ne sommes pas en guerre, juste prisonniers du système et de leur soif des affaires. En résulte une pseudo-démocratie paternaliste et une jeunesse assistée que plus rien n'attriste, qui plutôt que de faire face à ses peurs ou à ses doutes préfère s'auto-fliquer et sa vénère Facebook. Ils ont tous le même but, posséder ton mental. C'est toujours des sales pubs à la gloire du capital. Donc de cracher sur ces putes, non, je n'y vois rien d'anormal. Et ceux donc qui nous maintiendront dans le formol, parce que c'est shit et alcool en guise de camisole. Et si t'es considéré comme cas on t'isole, tol, ou hôpitaux psychiatriques pour les plus dangereux. Telles sont les règles du jeu d'un monde déjà trop vieux. Car on est prisonnier de ce putain de système, enfermé depuis la naissance derrière des murs en verre. Les évasions se soldent souvent par des échecs. Félicitations à ceux qui s'en sortent sans un copec. Alors je m'invade ma terre, dans ma cellule imaginaire. Je suis pas prêt de sortir, ma tenue n'est pas exemplaire. Les fers au pied, la corde au cou, les matos sans pardon nous mettent à genoux. Le peuple est sclérosé, arrosé de propagande pour éviter la déferlante d'une masse réveillée. La peur joue à leur faveur, épidémie, terroriste, émeute. Les mots font plus dégâts qu'une balle en plein cœur. La bête blessée est plus facile à maîtriser, dépendante de leur volonté. Voilà à quoi on est prédestiné, conditionné pour leur bon vouloir. On picore dans leurs mains afin d'asservir leur pouvoir. Ils nous traitent comme des pantins, l'histoire en est témoin. Leur système sera la cause de notre déclin. Ils baissent le son quand les voix se lèvent. Notre rap un poison qui s'infiltre dans le cœur et dans les veines de Babylone. Ils nous souhaitent qu'on clone à faune. Alors c'est par les actes qu'on renversera le trône. On suivra pas la trame qu'ils imposent. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'exclame avant que tout explose.